Qu'est-ce que c'est le civisme? Je sais pas. Bah, c'est bizarre, on n'a jamais appris ça, je sais pas ce que c'est. Le civisme, en 2018. La commune de Souffelweyersheim a choisi d'en parler. Après les tables rondes en mars, qui ont débouché sur quelques idées, Souffelplay vous propose des petites scénettes de la vie quotidienne qu'on aimerait plus voir. Avec l'espace jeune, on a parlé déchets sauvages, vitesse excessive et crottes de chiens. On termine la série avec les enfants du périscolaire Les Turlupins. Dernier sujet, les mégots de cigarettes. Quel fléau! Madame, vous n'avez pas le droit de fumer ici. Comment ça, j'ai pas le droit? Regardez, ici, c'est une zone de respire. Et ça veut dire quoi? Que vous n'avez pas le droit de fumer devant une école. T'as raison alors, jeune homme, je vais l'éteindre. Mais ça va pas, qu'est-ce que vous avez fait? Bah je jette ma clope. Dans l'égout, comme ça? Bah oui. Mais vous savez qu'un mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Et vous savez que ce mégot-là, il a des grandes chances de se retrouver dans la mer. Et souvent, les poissons et les oiseaux prennent ça pour de la nourriture. Eh ben dis donc, vous m'en apprenez les enfants. Promis, la prochaine fois, je vais faire attention. Vous savez, il existe des petits cendriers portatifs. Renseignez-vous sur internet. Promis les garçons, je vais me renseigner. Vous m'avez appris quelque chose de très intéressant. Bon après-midi, salut les garçons. Au revoir. Monsieur, vous savez que c'est interdit de fumer dans les parcs? Ah, je suis désolée, je savais pas. Mais oui, c'est un parc sans tabac. Comme tous les parcs à Souffelweyersheim. Venez, on va vous montrer. Vous voyez, c'est écrit ici, espace sans tabac. Je te remercie mon garçon, je ferai attention la prochaine fois. Et un petit conseil, monsieur. Si votre mégot, il est bien éteint, vous pouvez le mettre aussi dans une poubelle. Et vous savez aussi qu'à Souffel, à côté du gymnase, il y a un cendrier pédagogique. Alors, vin chaud ou bière de Noël? Je suis plutôt vin chaud. Merci les enfants.